Alors bonjour Caro. Bonjour. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce qui va se passer sur ce week-end à Sauveterre de Rouergue? Alors l'association Art et Savoir-Faire s'est associée à la commune de Sauveterre ainsi qu'à tous les commerçants pour organiser un marché de Noël qui aura lieu tout le week-end, samedi dimanche, le samedi de 11h à 19h et le dimanche de 10h à 18h. Bon, alors qu'est-ce qu'il y aura effectivement? Donc j'ai entendu parler d'artisans qui allaient exposer. Où est-ce que ça se passera exactement? Alors on sera, en plus des artisans déjà présents dans le village, il y aura une vingtaine d'artisans qui exposeront à l'espace La Pérouse, à l'étage au showroom de l'office de tourisme, au four banal et à l'ancien office de tourisme sur la place des Arcades. D'accord. Et il y aura aussi effectivement des animations pour les enfants. Il y aura beaucoup d'animations pour les enfants. On va installer un manège sur la place, un stand de maquillage pour enfants. Il y aura aussi des balades en calèche organisées tout autour du village. Le dimanche, vous pourrez profiter d'un atelier biscuit entièrement gratuit pour les petits à côté de la boulangerie. Voilà, je crois que c'est... Et puis, bien sûr, pardon, la venue du Père Noël. Ça, c'est quand même le pompon. Il nous fait le plaisir de venir nous voir deux fois dans le week-end. Bon, et sinon, donc, il y aura aussi... Ce sera ponctué de concerts, donc avec combien de groupes? Alors, il y aura deux groupes. Il y aura Monsieur Zanzibar, samedi, qui fera plusieurs passages dans le village. Il déambule avec un orgue de barbarie et des chansons entraînantes. Et ensuite, le dimanche, c'est Un singe en hiver. C'est un duo de chansons folk. Voilà. Et pareil, ils feront plusieurs passages dans la journée sur la place et autour. Bon, j'imagine que ce sera un beau rendez-vous pour ceux qui n'ont pas encore fait leurs achats de Noël. Je pense que c'est une bonne occasion de venir compléter ces petits achats en venant justement profiter des petites mains des artisans locaux et régionaux qu'on vous proposera pour ce marché.